Ah, bah quelle bonne sieste! T'as réussi à me réanimer et tout? Tu m'as porté jusqu'à la tente et tout? Ouais, mes jambes vont bien? Ok. Tu t'es évanoui, mais ouais, non, ça a repoussé pendant le voyage. Ça a repoussé pendant le voyage? Ouais. Mais en plus, j'ai entendu dire ça, apparemment le soleil et du calcium, bah bam. Ouais, un peu de calcium, un peu de soleil. Ah ok, d'accord, ouais, t'as dû me concocter une petite substance qui m'a fait tout repousser. Ouais, je dirais pas ce qu'il y avait dedans, mais c'est secret. Secret, bien sûr. Est-ce qu'on peut avoir Stranded Deep sur G2A, nous dit-on dans le chat? Et je te le recommande, et tu le trouveras bien moins cher qu'ailleurs. D'ailleurs, le lien est dans la description, avec le petit code Jolat. Il y a eu du rangement ici, hein. Organisation. Bon, bah, ouais, j'en reviens foutre le bordel, hein. Voilà. Ah ouais, bah pas de soucis, n'hésite pas. Voilà, hop, un moteur, ok. Les moteurs pour l'instant, je sais pas si c'est très pertinent. Bah je les ai mis là, moi, près des cailloux. Ouais, je les ai rangés au même endroit, comme bien ça. Bien sûr, voilà, ok. On va pouvoir mettre ça dans la pile. Que fais-tu avec tes mains là? Il était là comme ça là. C'était très bizarre. Voilà. C'est très étrange. Ouais. Ça. Ouais. Tu as des modos sur Twitch, ouais. Il y a Wizbot, voilà. Il y a Merlin Pimpin qui est passé dans le coin. Il y a Luffy, il y a moi. Et puis il y a toi qui est quasiment modérateur. Quasiment. Tu es donc quasi modo. Allez, retrouvez-moi tous les soirs à partir de 20h au petit théâtre pour d'autres blagues. On peut aller faire un gros dodo si tu veux. Oui, on va aller dodo plutôt. Ouais. Ah, c'est pas mal ça. C'est toi qui fais des tas comme ça. Ouais, c'est nouveau maintenant, tu peux faire des tas par ressources et du coup tu peux tout organiser au même endroit. Ça. Yes! Ok, c'est sympa ça. Pour aller faire un gros dodo si tu veux. C'est... Comme tu veux, hein, si tu veux venir. Voilà, y'a. Alors, c'est pneus. Ah, c'est pneus? Ah, bah je les ai ramenés, ils sont là-bas. Oh, regarde-moi ce beau soleil qui se lève là. Magnifique. Oh, les lueurs du matin. Magnifique. J'en chialerais presque, tiens. La grande question maintenant, c'est est-ce qu'on va se faire un petit radeau en pneus ou... Je serais d'avis de le commencer, comme ça, on va pouvoir l'agrémenter au fur et à mesure. Ou on pourrait. Comme ça, l'un d'entre nous le prend et l'autre prend le petit radeau jaune et puis on se suit et puis... On pourrait. Tu vas pouvoir nous faire un bon jus avec ça. Qu'est-ce qu'on n'a pas fouillé encore dans le coin? Déjà, on n'avait pas la deuxième épave. Moi, déjà, j'ai fouillé celle-là là-bas. Hein. Par contre, il y en a une autre dans le coin que j'ai pas fouillé, ça c'est sûr. Celle avec juste le mât qui dépasse. Bah justement, ouais, c'est celle-là qu'on n'a pas fait encore. Je sauvegarde. Ouais, bien joué. Ok, bien joué. Voilà. Un coffre. Et on peut aller la faire. Ok, moi je fais un petit peu le tour de l'île là. Ok, je suis déjà plein là. Ah ouais, elle est là-bas. Elle est loin, mon gars. Elle est loin, l'épave. Hein. J'étais en train de me balader sur le bord de la plage et regarde qui c'est que je vois en train de se dorer la pilule. En train de se dandiner un peu, où ça? Ouais, attends. Regarde. Ouais, où ça? Tiens, ça serait pas elle? Regarde. Où est-ce qu'il est? Juste à côté de toi, derrière toi. Hop. Regarde, elle est en train de. Attends. Je le vois au premier coup d'œil. Ah, attends, je vais te le dire. Tout se passe dans le regard. Tout se passe dans le regard. Elle a un regard gracieux. Elle a un regard très gracieux et un plumage exceptionnel. Ah, attends, faut que je la mette au soleil. Faut que son crâne reluise au soleil. Ah, c'est minutieux, ouais, d'accord. Ouais, premier coup d'œil. Non, tu peux la faire cuire. C'est pas elle, non. Non, escroc charlatan. Non, usurpateur d'identité. Non, c'est pas elle. Fausse alerte. Fausse alerte. Alors, attends, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on prend. Tu voulais parler. Oui, bien sûr. Bien sûr, par contre, on y va en radeau. On peut faire et ça. J'ai tellement soif, mon gars. J'ai tellement soif. Il y avait des cocos sur la plage, là. On a deux belles cocos, là. Ça, c'est bon. Attention, faut pas trop en boire, cochon. J'aime bien avoir la chiasse. Mais t'as entendu parler en ce moment là, il y a des affaires de salmonéose là, ou je sais plus comment on se dit là. Hein, il y en a dans les pizzas Buitoni, il y en a dans les Kinder, il y a partout les mecs, il y a de la salmonéose de partout. Alors ça m'étonnerait pas qu'il y en ait dans les cocos. Ils oseraient pas faire des cocos. Quand même. Tu prends ta lampe ou pas? Évidemment, je prends ma lampe. Voilà, hop. Bon, j'ai plus très faim. Du coup, je la crame la mouette, on est sûr. Non. Bon, premier coup d'œil. Attends. Soyons sûrs quand même. Soyons sûrs. Elle est où? Sud, sud-ouest, coucher de soleil. Soleil reluisant sur son crâne. Non. Deux sucres avec du lait. Ouais, mais du lait, ça va être chaud là sur la. Je peux la cramer, c'est pas elle. À la rame, moussaillon. C'est parti. Ah, c'est toi qui rame. Moi, je supervise. Ah, c'est celle-là, on l'a pas fait. Ouais, non, faut juste que j'esquive. Celle-là, on l'a pas fait là-bas. Ouais, on a un grand mât là-bas. Cette île en face a l'air bien garnie également. Ouais. Moussaillon. Ouais, et en plus, elle serait bien proche du paquebot. Ouais. Oh, il y a des bulles là. Hein. Hop. Jetons l'encre. C'est bon. T'as jeté l'encre? Ah, d'accord. Ah, bien joué. C'est comme ça que vous faites, patron? Oui, c'est comme ça que je m'y prends. Oh, fais gaffe!
J'étais embarqué par le requin. Oh là là, patron. Non. J'arrive. Je veux pas dire, mais vous avez pris quelque chose. Aide-moi, c'est... Mais je peux pas, je vous regarde, c'est tout. Ah, je suis pas bien. Ah, je suis en train de sacrifier, patron, quand même. Il y a un coffre là-bas. Il y a un bandage dans le coffre. Et si on allait sauvegarder? J'ai sauvegardé juste avant qu'on parte. C'est vrai? Ouais, bien vu. Ouais, je suis pas bien là, mon gars. Je suis en train de saigner et tout. Hein. Vas-y, je plonge. Ah, moi j'ai récupéré le coffre qui était dans. Ouais. Dans le. Oh. Fais gaffe, je descends en bas. Je récupère celui-là. Je descends en bas. Je crois qu'en bas y a plus rien. Faut regarder s'il y a pas les pneus. T'as tout récupéré en bas? Bah, j'ai récupéré le coffre qui était à ma portée. Non, il y a pas de pneus, ok. Par contre, il y avait un coffre qui était pas loin. Je crois qu'il était ici. Ouais, je l'ai pris. Ah bah non. Tu l'as pris? Qui était en mer, j'ai pas pris. Non, j'ai pris celui qui était sur l'épave. C'est bon. J'en ai deux. Ok, je suis en sécurité, patron. Ouais, bah viens me chercher, s'il te plaît. Regarde. Quoi? Là, je suis là. J'arrive. Attends, mon gars, le radeau il coule. Mais descends, mon gars. Patron. Allez-y, montez, patron. Rame. Allez, sur c'est l'île. Parti, je suis coincé dans le poteau. Vas-y. Mais je suis coincé dans le poteau. Sors de là. Voilà, c'est bon. Sur l'île. Allez, go. Oh. Qu'est-ce que tu attends, moi, gros? Attends-moi. J'ai peur, patron. Gros, il me pousse. Oh, vous êtes violent, patron. Je m'en vais. Attends, je m'assois. Y a quoi? Attends, je m'assois. Vas-y, assieds-toi. Je m'assois. Ok, c'est bon, je suis assis. C'est bon. Ah, y'a rien qui va, y'a plus rien qui va, mon gars. Oh, cette affaire, mon gars. Par contre, il me faut un bandage. Oh. Ouais, dans le radeau, y'en a un. Dans le radeau? Dans le coffre du radeau, y'en a un. Ouais, ah ouais. Yes, bien vu. J'ai mis mon bandage? Yes, c'est bon. Par contre, j'ai soif, hein. Ouais, pareil, il faudrait peut-être commencer à fabriquer un récupérateur, peut-être. Ouais, ce serait peut-être pas mal. Dis donc, c'est le bordel ici, hein. C'est le bordel, mais quelque chose de bien. Alors attends, est-ce qu'on a ce qu'il faut pour fabriquer un récupérateur? Je vais te le dire. Ouais, il nous faut juste les noix de coco avec les fils, là. Bah ça, c'est tranquille. Il nous faut de la corde. Donc normalement, on a de la fibre. Voilà, il me semble qu'il y en avait dans le coffre, quelque part. Il y a de la corde, il y a un tas de cordes ici. Il y a un tas de cordes? Eh ben voilà. Ouais. Juste une coco, voilà. Tu mets une coco, une corde, ouais, ça fait la gourde. J'arrive pas à crafter. Fabrication, consommable, et c'est le premier. Ah, par contre, c'est une coco entière qu'il faut. Ok, d'accord. Attends. Bah, je vais. Patron, je vais dans les arbres. Ouais, vas-y. T'en as une là, sinon, là. T'en as un peu partout. Hein. Ah voilà, ouais, tu vois. T'en as... Hop. Tu me fais peur. C'est bon, patron. Tu me fais très peur. Tu me fais extrêmement peur, là. C'est bon, ouais. Patron. Oh là là, le saut, mon vieux. Ce saut de cabri qu'il a fait, quoi. Oh là, là, tu peux faire la gourde. Il manque du cas pour faire une corde. Combien? Une. Alors maintenant, il me faut... Je vais voir si je peux faire la gourde. Yes, c'est bon. Moi, je suis bien, personnellement. Oh, moi, j'ai soif. Bon, hein. J'ai très soif. Hein. Bon, allez, une petite lampée pour la gourmandise, mais... Non. Non, franchement, c'est pas de la gourmandise. J'avais soif. Hein. Tout le monde était témoin. J'ai soif. J'ai très soif. Voilà. Oh merde, les mecs! J'avais oublié d'enlever le chat. Bah ouais, je viens juste de le voir. J'avais complètement zappé. Ok, on en est où? Bon, alors, est-ce qu'on récupérerait pas tout ça? On dort et au petit matin, on récupère le plus de ressources possible et on va à une autre île. Et on se casse. Peut-être. Ouais. Moi, je suis d'accord avec ça. Par contre, on va économiser le bois, on va éteindre le feu. Ah non, quoique. Le petit morceau, il est pas encore cuit. Ouais. Bon, bah. Ouais, on peut aller dormir. Hein. Non, ouais. Allez, je t'attends. Je t'attends. Ah, bah voilà, mon gars. Quel beau lever de soleil, là. C'est magnifique. Non, hein. Tu peux même manger le morceau de mouette sur le. Ça tombe bien, j'ai faim. Hein. Si tu veux, bah vas-y. Ouais, j'ai vraiment très faim. C'est pas un morceau de mouette, c'est du poisson. Ah mince. Ouais, mais bon, ça se mange aussi. Hein. Ça m'a pas bouché grand-chose, hein, mais bon. Faudrait faire du tri. Bah là, ça va, je commence à ranger les coffres pour en prendre le plus possible sur moi. Ouais, regarde, attends, bouge pas. Je vais t'aider. Est-ce qu'on va faire un moteur dans l'immédiat? Bah après, ça prend. Est-ce que c'est coffre, la priorité? Je sais pas, je me dis au moins si on en a besoin plus tard, on a toutes les pièces qu'il nous faut. J'ai trié tous les coffres, là. Il n'y a plus qu'à les remplir.
Ok. Ah, t'as fait... dis donc, cochon, t'as fait carrément deux trucs d'eau. Ouais. Était-ce vraiment nécessaire? On a vraiment tout ce qu'il faut en termes de ressources, hein, y a pas de souci. Ouais. Ouais, ouais, on a des bâches, on en a encore à plus savoir qu'en faire, et les autres ressources, c'est des trucs qu'on trouve partout. Ouais. Là, comme ça, on est bien. Tu peux te remplir le gosier. Ouais. Et on pourra partir sainement. Alors, mon gosier, bah, disons que ma vessie est plus remplie que mon gosier, là, actuellement, tu vois. Si j'ai quand même un peu faim, tu vois, mais bon. Après, je peux manger de la noix de coco. Ouais, j'ai un peu faim. Ouais, t'as 4 noix de coco, 5 noix de coco. Ouais, ouais, mais par contre, on n'utilise pas les rations. Hein. Les rations, c'est vraiment en cas de coup dur. Ouais, hein. C'est pour les soirs j'ai de festin. C'est soir, les rations, soir de fête. Hein. Ouais, donc toutes les noix de coco, on les a goulées. Hein. On les a bu. Les a goulées, il manque plus qu'à les manger, ouais. Ouais, ouais. Ah, faut pas trop en manger non plus. Hein. 2 grands max. Hein. Mange ouais, enfin, 4 quartiers, quoi, tu vois. 4 demi. Après, ça commence à. Ah bah ah bah tiens, allez. Bon bah 2 grands max. Jamais je ne remangerai ça. Il est pas bien mon bonhomme là. Il est vraiment pas bien. Allez, je mange la terre. Faut que tu fasses gaffe parce que ça. Merde. Allez ouais, putain. Allez voilà. Je suis en train de me déshydrater, gros. Bah ah ouais, ouais, tu m'étonnes. Ah bah je me déshydrate. Bois derrière. Ouais ouais, je vais boire un coup. Waouh, mon bonhomme, il se déshydrate de ouf, mon gars. Attends, je vais boire un coup. Deuxième jour de survie. Allez, deuxième ouais, donc jour, c'est ouais, bah il a déjà la chasse. C'est 2 cocos grand max. Voilà, il y a plus rien à boire, gros. Il y a plus rien à boire. Et je me disais déshydrate à vue de nez quoi. Non, attends, je vais remplir le deuxième. Voilà. Ah voilà. Si, là, il y a deux bois, là, il y a deux trucs à voir. Ah ouais, yes, bien vu. Ouais, ça va, ça remonte encore un peu, mais je me déshydrate très vite. Hein. Alors moi, j'ai pris le max diarrhée, je suis en déshydratation, mon gars. Bah ouais, mais quelle idée de manger 12 000 cocos. Bah j'en ai mangé, bah j'en ai pas mangé 12 000, j'en ai mangé 2. J'ai mangé 2 cocos. Enfin, 2 et après, t'as remangé. 4 demi, 4 demi. Ils sont vides, ceux-là. Les deux, ouais, sont vides, bah tu peux mettre des trucs dedans si tu veux. Moi, j'ai tout organisé dans tous les autres coffres. Tous les autres coffres sont pleins. Donc après ouais, tu peux prendre cela pour qu'on ait ce qu'il faut en place quoi. On est bien. Par contre les quartiers de coco je les prends hein, quand même. Hein. Ah bah voilà, j'aurais pu manger la viande. Attends, elle est bonne au moins? Elle a l'air verte un peu. Non, franchement elle a l'air ouais, verte. Ouais bon celle-là, ouais celle-là non, il y a des bouches. Vas-y, elle a pas l'air très bonne. Hein. Ah non, spoil. Ouais, ça non, par contre je prends. Ça je prends. Oh non, c'est sûr. Je dois trouver de l'eau. Bah ouais, tu m'étonnes. Attends, est-ce que je suis toujours ouais, déshydratation? Ah j'ai très soif. Hein. On a 2 radeaux maintenant. Oh je suis pas bien. Ah bah je peux boire directement comme ça en fait. Bah oui, je suis même pas obligé d'avoir une gourde. Ok c'est bon, je suis pas mal. Plus d'hydratation, c'est bon. Enfin, je suis plus en déshydratation, du coup. Je prends. Du coup, tu prends celui-là et moi l'autre. Bah ouais, si tu veux. Ouais, peut-être tu t'es mis bien, toi. On va où? Tata, tu t'es mis bien, mon gars. Ah ouais. Tu t'es mis bien de ouf. Hein? Tu veux celui-là? Bah, je sais pas, peut-être. Ah, vas-y, mais j'ai l'impression qu'il est très, très peu stable. Hein. Non, je prends celui-là. Je prends celui-là. Vas-y, je te suis. Par contre, tu vas aller plus vite que moi, je crois. Ah ouais? Ouais, déjà, si je me ouais, prenais ouais pas tu vas aller plus vite que moi. Et si on sauvegardait? Oui, ouais, ça. Ouais, allez, sauvegardons. Sage décision. Très sage décision. Sauvegardons. Bon. La coco a des bienfaits. La coco est bourrée de vertus. Bourrée de vertus. Il y a vraiment la stabilité de ce bateau. Oh mon dieu, il est tellement stable. J'ai envie de chialer. Bon, on va en face là. Là-bas à côté ouais du bateau là. Ouais, vas-y. Je vais essayer de te suivre, mais je crois que tu vas aller plus vite que moi. Eh, on l'a fait l'épave là. Le petit bout là qui dépasse. Ouais, bah c'est celui où on a sauvegardé tout à l'heure. Ouais, ok. Ok, et eh ben c'est parti. Allez, let's go. En avant. Attends, j'arrive, mon gars. T'inquiète. Allez, patron. Allez, pagaye, patron. C'est à faire. Et normalement, c'est la secrétaire qui pagaye. Elle prend le large, la secrétaire. Attends, je peux plus. Je suis fatigué là. On peut récupérer un hydrateur. Plus, hein. Machiner. Bah, apparemment. On peut les récupérer? Ouais, y'a Touareg qui nous dit récupère un hydrateur. Vas-y, attends, on essaye. Mais non, on peut pas récupérer un hydrateur. Ouais. Je crois pas. Non, tu peux récupérer le matos. Bon. Le matos, tu peux le démanteler. Bertrand le Serpent. Ouais. Ah, un bon abonné, nos 59. Connais Bertrand le Serpent. Logiquement, avec un hammer. Non, tu peux pas les récupérer. Tu les démantèles avec une hache et tu récupères le stuff qu'il y a dessus. Allez, patron, on pagaye. Ben, je fais que ça, mon vieux. Je fais que ça. Hein. Je suis à fond, là. Regarde, je peux même plus pagayer. Il est fatigué, mon bonhomme. Moi, ça va, c'est pas trop fatigant. Toi, t'es bien, toi. Il est ouais, bien, franchement. En vrai, il faut juste un peu le stabiliser et puis on pourra vivre ouais, ouais, à tous ouais les deux dessus. Putain, et normalement, c'est toi qui devrais ramer. Hein. C'est la secrétaire qui doit ramer. Hein. Voilà. Mais qu'on échange. Le chef, il a plus supervisé. Hein. Vous voulez échanger? Vas-y, on échange. Attends, tiens. Faudrait la pagaie. Merci.
Allez, on échange. Voilà. Putain, il est petit ton radeau, mon vieux. Faut pas. Ah bah oui, bah. Faut pas être gros. Regarde, il s'est retourné, tu m'as arnaqué. Je fais... Allez, enfin, patron. Ah putain. Il s'est retourné ton radeau. Attends, j'essaie de le retourner. Il a cassé mon radeau. Ah, ah c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Voilà, il est petit mon gars. Mais c'est trop lourd pour ton radeau. Non, c'est moi qui viens de le retourner. C'est trop lourd. Non, je viens d'attaquer. Ouais, c'est moi. Putain, on va se faire manger par un requin. Ah, c'est bon, c'est bon. Il ah, ah. y a une petite construction là sur la plage, j'ai l'impression, oh... non. Ah non, c'est... Non, non, d'accord, non, c'est une épave. C'est une épave, ouais. Okay. Une épave avec un bon vieux rocher. Regarde, on a un beau conteneur rouge là-bas. À voir. Alors, hein. Est-ce qu'on se ferait pas peut-être un abri pour sauvegarder? Évidemment. Évidemment. Comme tu disais au début. Voilà. Quelle question. Là, 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 là. Ouh. Et ben voilà, mon gars. On est arrivé. Nickel. C'est bon, impeccable. Mais que va-t-il se passer sur cette île du Chétan? Nos deux aventuriers vont-ils réussir à survivre? Vous le saurez bien entendu dans le prochain épisode de Scrap de Swan Dead. Allez, bisous YouTube.